Salut à tous les amis, je suis Hurlon, on se retrouve le 1er juin, aujourd'hui le 1er juin, pour le timelapse numéro 3 sur Explore. Désolé, je suis un peu enroué. Ce mois-ci, le timelapse principalement axé sur ma base et la refonte du spawn dont nous allons parler. Alors donc, pour ma base, je continue l'aménagement extérieur puisque l'intérieur est quasiment terminé. Il ne me reste plus qu'à aménager la cuisine et 2-3 petits endroits. Donc l'aménagement extérieur, c'est le retrait de toutes les torches par des citrouilles éclairées, donc des citrouilles lanternes. J'ai commencé à faire une rizière là-bas, aménager un petit lac et tout un petit endroit. Vous avez un chemin qui correspond aux mêmes critères que d'habitude, qui est en bas de l'écran, qui est un nouveau chemin qui est la prolongation de ce chemin en dalle de stone brick, en dalle de stone que vous voyez qui remonte depuis le bas de mon île. Du coup, j'ai aussi fait une nouvelle bannière et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Je pense faire plus de nouvelles vidéos avec les shaders, au moins les timelapse. Et du coup, on se retrouve tout de suite dans le métro. Métro d'inspiration moderne, assez gris pour respecter le moderne. En stone et en dalle de stone, vous allez pouvoir voir ma bannière que vous voyez actuellement à l'écran. Colasique, ça fait un épisode dessus, je vous conseille d'aller voir. Du coup, poursuivons bien évidemment avec la refonte du spawn. La refonte du spawn, donc Fouge n'habite plus là, mais il va habiter dans l'arbre que nous sommes, que je suis en compagnie d'Orgeon et de Monsieur Timmy. Cette Colasique actuellement en train de construire un arbre à 4 racines, une racine pour Fouge, une racine pour la mairie, une racine pour le métro. Le portail du Nether et une racine, celle que nous sommes actuellement en train d'explorer pour l'Oju. L'Oju, l'organisation des joueurs unis, il y a eu énormément de morts sur Explore ces dernières semaines. Du coup, l'Oju s'imposait comme une nécessité afin d'assurer la paix sur Explore. Voici la salle du conseil de sécurité. Et les amis, on se retrouve en compagnie d'Amavir qui va nous expliquer à quoi sert le système de redstone que l'on voit actuellement. Vas-y Amavir. Bonjour à tous, alors oui, j'ai créé des petits systèmes en command block pour le serveur Explore, notamment parce qu'il y avait eu des problèmes avec le PVP. Énormément de problèmes. Voilà, énormément de différents problèmes. Donc je vais vous expliquer tout ça. On a une première partie qui sert déjà à n'activer le PVP que pour les personnes qui le veulent. C'est-à-dire qu'on a une commande qui reviendrait à faire un slash PVP qui ne s'active que pour certaines personnes. Et lorsque cette personne l'a activé, toute personne qui l'a aussi activé peut se battre avec elle. Mais les personnes qui ne l'ont pas activé ne pourront ni être tapées, ni taper les personnes qui seront en mode PVP. Alors ça, c'est pour le premier système le plus important. On a deux autres petits systèmes. Un premier petit système pour les armor stands qui va permettre de personnaliser un peu plus les armor stands que dans le jeu normal. C'est-à-dire que si on leur balance des bâtons, on peut leur donner des bras, on peut les raccourcir, enfin les rendre plus petits avec une hache en bois, et leur enlever leur base en stone avec une pioche en bois. Et enfin, un troisième système pour les lits, donc qui est comme sur le serveur Hermitcraft, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'une seule personne est nécessaire pour faire passer la nuit, et lorsque cette personne dort, une notification est envoyée à tout le monde, afin que les autres n'aient pas besoin de dormir. Voilà. Voilà, tout à fait. Mais par contre, du coup, t'as toujours pas sorti de vidéo. Donc le troisième système, c'est le système de Iz et de Isuma qui est sur Hermitcraft. Voilà. Et pour le système des armor stands, je vous prépare une petite vidéo sur ma chaîne que vous verrez passer. Et voilà. Donc, j'ai la commande disponible depuis 2 mois. Voilà. Je dis à ma vire, ne fais rien sur sa chaîne. Merci d'avoir répondu à nos questions à ma vire, salut. Je vous en prie, salut. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve le 1er juillet pour le timelapse numéro 4. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu. C'était Hurlon, je vous retrouve la prochaine fois, salut les amis.